ネオ体操第一よーいドン全力疾走。いきなり走るのかよ。おい待てよ。もっと早く私の勝ちだ。Bonjour et bienvenue dans Superplay. Bienvenue Ben. Salut Julien. Donc là on est en train de voir Double Dragon, un jeu mythique. Voilà, que tu es venu nous présenter dans le cadre de la soirée spéciale sur Kishimoto. Donc Double Dragon c'est une suite plus ou moins avouée de Renegade. Ouais, donc de Kunio-kun, qu'on a déjà vu dans le cadre de la soirée. Et c'est un jeu que tu as fait il y a un petit moment déjà. Ouais, alors celui-là oui je l'ai fait il y a 2 ans. Et bah comme tout comme pour Renegade, enfin Kunio-kun, l'objectif c'est de faire un speedrun, hein, donc au niveau de finir le jeu le plus vite possible, mais cette fois-ci en utilisant quand même un peu les faiblesses du jeu, vraiment parce que le jeu a des qualités exceptionnelles forcément, parce qu'il a beaucoup beaucoup de nouveautés, on va y revenir. Ah ouais. Mais le jeu est truffé de bugs incroyables. Ouais. Et donc je vais essayer un petit peu de les exploiter pour justement accélérer un petit peu le... Donc t'as été un peu sans pitié avec le jeu. Ah oui, oui complètement. on va le mettre un peu à nu là. Ouais. Et d'accord, donc voilà. Comment ça se joue par rapport à donc au précédent Renegade où, enfin, on rappelle c'était un jeu à 3 boutons où t'avais un bouton de saut au milieu, le bouton de droite tapait à droite, le bouton de gauche tapait à gauche. Ouais. Alors là c'est un peu la même chose, c'est sur 3 boutons. Le bouton du milieu, c'est le saut, hein, donc c'est toujours pareil. Par contre, A, c'est les coups de pied, quelle que soit la direction du personnage. Et C, c'est les coups de poing. Bon, pareil, quelle que soit la direction. D'accord. Et alors là, on voit, bon, depuis le début du jeu, que j'utilise quand même toujours le même coup, quasiment. Ouais, qui est le coup, c'est de... le coup de coude. Coup de coude, voilà. Donc là, d'une certaine manière, c'est un peu un bug, hein, parce que c'est un coup très très puissant et que tu peux utiliser sur tous les ennemis du jeu. D'accord. Donc, bon, au niveau des tests du jeu, bon, c'est quand même incroyable que je ne l'ai pas vu. Quand même que le jeu puisse se tordre, se plier complètement juste avec un coup. Alors qu'il y a toute une panoplie de coups qu'on ne verra pas d'ailleurs, hein, parce que je les montre pas forcément. C'était un peu ça le côté marrant, c'est de tester, on peut sauter, donner des coups à l'avant, dans tous les sens, on peut choper les gars, leur donner des coups, comme ça, les balancer. Voilà. Et alors c'est vrai que là on arrive dans le deuxième niveau et là justement on arrive avec des passages où justement il y a du vide, des trous, où on verra après qu'on peut aussi aller dans l'eau, hein, dans le troisième niveau, enfin il y a des endroits avec des lacs et tout ça. Et donc là c'est vrai que l'objectif pour gagner du temps c'est de se débarrasser des ennemis. Donc là je les balance dans le trou. Alors là on va voir un passage que j'adore énormément. Voilà. Hein, c'est qu'il y a un ennemi qui arrive et hop je le fais tomber directement. Donc avec une intelligence artificielle vraiment exceptionnelle. Bon là par contre cet ennemi là je fais tout pour le mettre en face du vide. Hein, donc je lui donne un coup de coude pour le mettre du bon côté. Et après par contre là on voit je lui mets des coups de pied. Donc, quand on met les coups de pied et qu'on est très proche de l'ennemi, on lui met un coup de pied et derrière on le chope. On le chope, on a envie de continuer à lui mettre, je sais pas si c'est des coups de pied ou des coups de genou. Une fois qu'on l'a chopé, on peut le faire avancer. On peut l'envoyer. Donc soit à l'opposé, hein, là ce qui n'était pas le cas, parce que là je voulais l'envoyer dans le vide. Soit devant toi. Ou soit droit devant moi. D'accord. Donc là on arrive déjà assez vite quoi, à la fin du deuxième niveau. On est à l'endroit du boss. Ouais. Enfin le boss n'est pas encore là, mais il va pas tarder à arriver. Alors on ne peut pas le faire venir plus vite parce que là, dans le concept au niveau de ce jeu-là, il y a énormément de checkpoints en fait. Ouais. Où tu bloques, tu peux pas aller. L'écran est bloqué. Voilà, le scrolling est bloqué, tu peux plus avancer. Donc tu peux débloquer ce checkpoint que en tuant tous les ennemis. D'accord. Et bon bah là c'est un peu la même chose. Voilà. Là on va voir le boss qui va arriver uniquement parce que voilà, je commence à. Voilà. Hein, parce que je commence à tuer les ennemis. Alors là, pour me débarrasser du boss, je vais utiliser une petite astuce sur ce niveau-là. C'est que je donne un coup de coude pour passer de l'autre côté, parce que là, en fait, je monte sur les caisses. Tout ça, en haut. Ce qui était marrant, c'est que tu pouvais grimper, sauter, ça c'est hyper amusant. Il y avait une interaction avec tout le décor. Chose qu'il n'y avait pas du tout dans René. Ouais. Et donc là, je tombe. Je tombe de la caisse la plus haute. Tu t'écrases. Je m'écrase, et lui, il va tomber.
Mais le problème, c'est qu'il tombe encore dans le vide, en fait. Parce ouais, que là, on va voir. En bas, il y a du vide. Voilà. Et en fait, il rebondit et boum, boum, il tombe en bas, quoi. Et chose intéressante dans ce jeu-là, voilà, exactement comme dans les gardes, pour gagner du temps, c'est que tu te débarrasses du boss et tous les ennemis qui restent à l'écran sont. Oui. Donc, si on veut pas perdre de temps, bon, faut essayer d'aller le plus vite possible jusqu'au boss. D'accord. Donc aller le plus vite possible jusqu'au boss, c'est passer les checkpoints le plus vite possible. Les checkpoints en général, c'est quand il y a 3-4 ennemis. Ouais. Bon là par exemple, on en a que 2 et pourtant je suis bloqué. Voilà. Là, et pourtant là, t'es obligé de les tuer. Ouais. Alors là c'est encore un endroit intéressant, c'est que en fait ce qu'on ne voit pas là à l'extrême gauche là du scrolling, c'est qu'il y a un vide. Donc toi tu t'es bloqué là, tu peux pas y aller. Moi je peux pas aller au-delà du scrolling à gauche, mais par contre eux si j'arrive à les choper, je peux les faire tomber dans le vide. Bon là j'ai pas réussi, bon lui par contre je vais réussir là. Ouais. Là hop, il tombe dans le vide. C'est un vide complètement virtuel. Oui, c'est mais qui existe. Bon là c'est l'heure du jeu quoi. Voilà. Bon là le deuxième ennemi, je l'ai tué un peu à la régulière, donc j'ai perdu un petit peu de temps sur ce passage. Il a pas réussi à pousser avec la batte. Non, c'est pas fair play, quoi. C'est que pour les ennemis. Donc, merci, Monsieur Kishimoto. Merci. C'est sympa. Voilà. Donc là, il faut bien éviter le baril. Quand tu fais ça, il tombe, mais le baril. Mais ce qui est très, ce qui est vraiment important là, c'est que j'essaye de regrouper les deux ennemis pour leur mettre un coup de coude aux deux en même temps, tu vois. Oui. Parce que sinon, sinon je perds un peu de temps là, tu vois. Ah, ouais. Si j'avais réussi à le faire vraiment avec un bon timing, j'aurais tué les deux en même temps. D'accord. Voilà. Alors là, on a vu, il y a quand même plusieurs personnages. Il y a des nanas comme ça avec leur fouet. Bon, eux, elles sont pas très très dangereuses, mais par contre, en face à face, elles sont très dangereuses. Oui, parce que le fouet, il va vite, il va loin. Bah, là, en même temps, je lui ai fait perdre son fouet, mais en face à face, pour lui mettre des coups de pied, elles sont beaucoup plus dangereuses que les mecs. D'accord. Mais bon, après, elles sont moins résistantes, donc avec quelques coups de coude. D'accord. Mais en fait, le coup de coude est très fort parce que non seulement il est plus puissant que les autres coups, il met les ennemis à terre, et en plus, tu tapes les ennemis vers l'arrière. Et en fait, c'est un avantage. Oui, exactement. Alors c'est vrai que ça, on peut souligner la différence par rapport à Kunioken, c'est que bon là par exemple sur un ennemi en face à face, je peux à la fois être face à lui ou je peux me retourner. Oui, tu précises, tu viens de le dire, je peux lui mettre des coups de coude. Dans Kunioken, on ne pouvait pas le faire. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand il y avait un ennemi en face de soi, automatiquement au niveau de la programmation, ton personnage se mettait face à lui. Donc tu pouvais mettre que des coups de coude. Il fallait qu'il ait une ruse, comme on a vu, courir. Et taper au dernier moment. Voilà, pour lui mettre des coups de pied. Alors là, on a vu que j'ai récupéré un couteau. Alors c'est ça quand même l'énorme nouveauté dans ce jeu. C'est une qualité vraiment, vraiment exceptionnelle, vraiment nouvelle. C'est qu'on pouvait ramasser des armes. Armes portées par les ennemis. Ouais, on les dépouillait de leurs armes. On a vu qu'il y avait des fouets, il y avait une batte de baseball. Là, il y avait un couteau que j'ai ramassé, que j'ai utilisé d'ailleurs. Oui, ça fait gagner du temps parce que les armes sont fortes. Ouais, exactement. Alors, le couteau, quand tu le lances, il y a aussi le bâton de dynamite qu'on va voir un petit peu plus loin. Par contre, le coup de coude reste quand même, plus efficace que la batte de baseball ou que le fouet. Vraiment à ce point-là. Ah oui, le coup de coude est vraiment très très efficace. Donc là, lui, tu le jettes à l'eau, mais l'autre, tu l'as pas jeté à l'eau. Non, le gros, les gros personnages là, qui existent en plusieurs couleurs d'ailleurs dans le jeu. J'ai pas trouvé une solution pour les mettre soit dans le trou, là, on voit qu'il y a un trou, ou dans l'eau. J'ai pas réussi. En fait, ils te suivent, mais ils sont bloqués, ils tombent pas dedans. Quoi. Ouais, j'ai pas réussi. J'ai essayé. Ce jeu-là, je le connais depuis quand même assez longtemps et j'ai jamais réussi. C'est peut-être faisable, demander à son programmeur peut-être, mais je ne saurais pas dire. C'est un peu tard, mais on aurait pu lui demander. Si jamais il voit la vidéo. On répondra à quelques questions. Ouais. Donc là encore, je me retrouve avec un ennemi, mais je peux plus avancer en fait, je suis bloqué par le scoring, donc je le tue là encore. Là c'est pareil, après ils arrivent un par un. Ouais. Alors là, c'est vrai que je pourrais me prendre. Ça, ça avait l'air un peu plus classique, façon de se battre. Ouais, là, c'est vrai que quand tu chopes les mecs et que tu commences à leur mettre des coups de pied, leur énergie va quand même descendre, à mon avis, très très vite aussi. J'ai pas étudié le jeu suffisamment fond en comble pour savoir si c'est le coup de coude ou si c'est ça. Mais bon, le problème de choper les ennemis, c'est que tu peux le faire que lorsque tu en as un en face de toi. Ouais. Là, par exemple, sur les gros, on peut pas. Mais même si j'avais deux ennemis de taille normale, comme moi, c'est très compliqué de choper un ennemi. Parce que, en général, au niveau de la programmation, quand tu en prends un, l'autre ennemi, il passe autour de toi. Il vient derrière toi. C'est ça la grande nouveauté de Dragon. C'est ça qui était génial.
Bah c'est l'utilisation du plan. Et là, on le voit bien. Là en fait, j'attends. Bon, là, on le voit pas trop, mais en général, j'attends que le personnage se relève. Mais je me mets dans un plan, soit un tout petit peu au-dessus, soit un tout petit peu en dessous. Ouais. Tu vois, au cas où, si je rate un petit peu mon timing sur le coup, sur le coup de coude, je puisse pas me faire toucher. Tu vois. Moi, j'essaye de jouer beaucoup au niveau du plan. Là, on va le voir. Là, je vais donner un coup de coude parce que là, en fait, je peux les éviter. En fait, là, je grimpe un peu. Ouais. En fait, tu as gagné du temps. Voilà. Parce que là, si j'étais grimpé au mur et qu'en même temps il me donnait un coup de pied, mon char descendu, donc on a perdu un peu de temps. Mais là, t'étais pas bloqué par ces ennemis. Non, alors c'est un des rares endroits du jeu où justement il n'y a pas de checkpoint. D'ailleurs, ça rame à mort. Ouais, ça rame à mort. Et justement, ça me permet d'aller directement jusqu'au boss. Le boss, c'est le gros pépervers. Hulk, Tyson, Mr. T. Ouais. Donc voilà, là, c'est un truc de malade quoi. Parce que là, le hardware est vraiment. vraiment sur les genoux. Là. Mais bon, en même temps, voilà, pour. Ça a beau ramer, c'est quand même cette technique qui me permet de. Oui, c'est toujours la même technique. Quoi. D'aller le plus vite possible. Ah ouais. Alors là, on voit qu'il y avait un des ennemis là qui a un bâton de dynamite là, qui l'a lâché. Si je me souviens bien, ouais, celui-là il va exploser, alors il va y en avoir un autre, si je me souviens bien. Ah, parce qu'en fait, la dynamite tue tout le monde. Bah, elle tue tout le monde, ouais, quand elle explose. En fait, on peut la ramasser, mais voilà, là elle reste au sol, donc pendant un petit moment tu peux la ramasser, mais au bout d'un moment, voilà, quand elle commence à clignoter, là elle va exploser. Et là j'ai un peu de chance parce qu'il tue le boss. D'accord. Alors là, ce qui est bon, là, c'est de voir, regarde, là, les ennemis qui traversent le mur, quoi. Ça, c'est vraiment. Ils s'en vont. Ouais, c'est vraiment. Et le changement de couleur de la pierre, là, tu vois. Oui. C'était assez drôle, c'est la palette de couleurs du niveau d'après. Ouais. C'est génial. Alors là, on rentre dans le dernier niveau. Ouais. Alors là, je fais très attention. En fait, c'est un pattern complètement aléatoire. En fait, les poutres sortent d'une manière vraiment random. Tu vois, des fois, ça peut être le rythme peut être élevé, des fois, il peut être lent. Elles sortent pas toujours à la même vitesse, en plus. Pas au même endroit. Donc là, il y a aucun moyen d'anticiper le. Non, j'ai essayé avec des sauvegardes. Hein, on analyse un peu. Ouais. Rien à faire. Les patterns sont complètement aléatoires. Et les lances aussi. Oui. Bah, l'idéal c'est de réussir à sauter, de passer au-dessus. Ah oui. Bah oui. Bah là, si tu vas voir. Après, il y a encore deux lances derrière et je vais me placer vraiment au millimètre pour au moins éviter la deuxième. La première est pas trop dure à éviter. Mais. Ouais, d'ailleurs, la hitbox de ces lances, je l'ai jamais comprise. Ouais. Ah bah c'est juste les pointes, c'est le bout des pointes. Donc là, en fait, c'est celle de gauche qu'il va falloir que j'évite. Voilà, c'est celle-là. Okay. C'est pour ça que je saute. D'accord. C'est pas celle de droite. C'est juste la pointe en plus, mais quand elle est en bas, parce que en haut, tu peux te. Alors là, j'ai un espoir, malheureusement, il vient pas. C'est que la lance tue le personnage. Ça arrive. Ça peut arriver. Ouais. Et je crois que si je me souviens bien, elle le tue direct. Ah oui, bon, enfin, là, je elles sont balance. Très puissantes. Ouais. Là, je le balance dans le vide, enfin dans les pics, là. Donc ça va assez vite. T'as perdu 5 secondes. Ouais, enfin là encore, c'est du random, hein. C'est de l'aléatoire. Donc là, bon, là. Pas grand chose à faire, hein. je peux pas les balancer dans le vide, donc là il faut. Ah, il te chope direct. Ouais. Alors ce qu'il faut là encore une fois, c'est essayer de mettre un coup de coude et de les toucher, comme là. Et c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas simple. Ah, puis après ils se séparent. Des fois ils se séparent. Là tu vois, j'ai encore réussi à en faire un pour deux. Là non, c'est. Bah, je crois qu'il faut être très très proche d'eux au moment où tu déclenches le coup de coude, mais le problème c'est que c'est des ennemis très agressifs. Quand tu es trop proche d'eux, ils te prennent, ils te chopent. À la relever, ils peuvent te faire des trucs. Ouais. Donc c'est pour ça que je préfère prendre mes distances. Pas prendre de risques, pour pas risquer de perdre du temps finalement. Oui, voilà. Donc, c'est pas super super optimal, hein. On peut faire mieux, mais bon, je pense que. Tu t'es pas passionné complètement pour le jeu. Non, en même temps, c'est pas. Faire du speedrun sur un jeu d'arcade, c'est pas forcément pensé pour. Donc, pour moi, l'arcade, c'est le score. Hein. Moi, la seule chose qui reste, c'est le score. C'est ce qui t'intéresse. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Alors là, on arrive dans la dernière salle. Alors, on voit ma chère étendre qui est attachée au mur. Après, ça speech qu'il faut délivrer. Voilà. Et donc là, on voit que je m'échappe un peu là, en fait. J'évite les ennemis parce que là, il y a le boss qui m'attend, en fait. Ah oui. Ah, le boss, il est sur un balcon. Sur un balcon, il attend et il va venir après. Voilà, normalement, il doit venir une fois que j'ai tué un certain nombre d'ennemis. Mais là, j'utilise un bug. Bon, pour moi, c'est forcément un bug qui me permet de grâce au gros, la bonhomme, la famille, qui m'a envoyé directement sur le balcon. Alors là, c'est pareil. C'est génial. C'est génial, mais bon, j'ai beaucoup, beaucoup de réussite. Hein. J'arrive pas à le faire. Oui. J'arrive pas à le faire à chaque fois, et en plus j'arrive pas à le faire, même quand j'arrive à le faire, des fois il me faut 2-3 minutes, quoi, tu vois. C'est au pixel près, il faut que ton adversaire soit orienté de telle manière. Donc, en fait, t'as shooté d'abord un peu gros pour l'orienter. Ouais. Bah, il fallait que je sois orienté en fait sur sa gauche. Ouais.
qui me prennent et qui m'envoient vers l'arrière. Ouais, parce que quand ils t'envoient vers l'arrière. Ouais. Et donc là, voilà, là, je suis sur le balcon. Ouais. Il est même pas dangereux d'ailleurs hein, quand il est sur le balcon. D'accord. Parce que en fait, il est pas actif en fait. Actif, on peut le toucher, mais il est pas actif dans le sens, il va pas résister, il va pas se défendre. Alors là, on voit, c'est marrant, parce qu'on voit les ennemis qui normalement auraient dû arriver. Venir avec lui. Voilà, une fois que je dois tuer les premiers ennemis qui étaient au sol. Donc là, il y a un gain, tu peux pas t'imaginer, il y a un gain de temps. Oui, parce que tu passes du temps là. Monstrueux. En fait, là, je sais pas trop combien de temps on met si on tue tous les ennemis du jeu, sans forcément aller très vite et une vitesse normale, je pense qu'on doit au moins mettre 25-30 minutes, je pense. Et à l'arrivée, gagnes 10-15 minutes. Quoi. Là, je mets un quart d'heure. Un quart d'heure de. Ouais, je pense, ouais, quasiment. Et happy end. Très bien. Alors là, par contre, il n'y a pas de loop. Hein. C'est, alors que oui, dans. Là, on termine. Dans Renegade, Kunio-kun, tout ça, même Target Renegade, il y a des loops. Ouais, alors, un petit bug là, programmeur, il n'y a pas dehors. Oui. Si t'as remarqué. Oui. Et Animator ouais. Qui est une transcription de katakana hasardeuse, effectivement. Bon, en même temps, on va pas être trop méchant. Le jeu a amené tellement de choses nouvelles. Le art staff est composé de 5 personnes. Ouais. J'aimerais bien savoir qui est responsable du chat du niveau 1. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé parce qu'on parlait d'autre chose, mais il y a un chat au boss du niveau 1 qui est absolument fabuleux. Qui a des proportions surtout. Déjà qui est très bien designé, qui est marrant, mais qui a des proportions exceptionnelles. C'est mignon. C'est plus un tigre en fait, c'est pas vraiment un chat. Ou alors c'est Michael, je sais pas si tu connais Michael, mais c'est un peu le même genre de truc. Il est énorme comme ça et tout rond. Et... C'est peut-être Michael en fait. C'est dommage, c'est qu'on n'ait pas une interaction avec ce. Avec ce chat. Oui, genre taper dans la poubelle et le chat s'en va, ce serait drôle. D'accord, ben bravo. Bravo, merci pour ce speedrun donc, qui est un petit peu vieux. Ouais. Mais ouais, voilà, tu t'es pas vraiment passionné en fait. Tu aurais pu analyser un peu plus finement les dégâts de chaque coup, les trucs comme ça, mais C'est vrai que c'est un jeu sur lequel je pense que je reviendrai à un moment ou un autre. Bon, je dois reconnaître que je suis pas du tout fan du beat'em up, hein, vraiment pas. C'est vraiment pas mon genre, mais là, ce jeu, c'est vrai qu'il a un côté culte. Il a une aura. Voilà, c'est ça, sur lequel je voulais revenir, mais en même temps, bon, premier abord, j'avais pas trop envie de faire de score. Je voulais vraiment exploiter les bugs, les bugs pour finir le jeu. D'accord. Et puis c'est vrai que bon, je me suis rendu compte que le scoring est un peu particulier. Il y a quelques bugs dans d'autres bugs qu'on n'a pas vu et qui permettent vraiment de scorer vraiment comme un ouf. Et donc bon, j'essaierai de revenir sur le jeu et de voir un peu ce qui est possible de faire. Parce que le record mondial, c'est compteur bloqué à 999 900. D'accord, donc, presque 1 million de points. Ouais. Et là, donc on a une vie gratuite à 30 000. Ouais. Et après, on a des extincts tous les 70 000. Tous les 70 000. Donc, en fait, tu es arrivé à quel score là en speedrunnant? Je ne sais même plus. On va dire 50, 60 000. Ouais, j'ai eu une vie gratuite, je suis même pas sûr d'avoir eu la deuxième, donc oui, ça doit être ça. Je me suis même pas intéressé au score, pour être honnête avec toi. Ah ouais, moi je fonctionne par objectif. Là, c'est le speedrun, c'est le gain de temps, le score, ça m'a jamais... Mais par contre, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au scoring, en regardant, moi je regarde beaucoup de Super Play, je vais beaucoup sur Internet. Je regarde beaucoup d'INP aussi, de joueurs. Enfin, ça donne des idées pour faire des jeux. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Et donc, j'ai trouvé un ou deux bugs qui sont vraiment intéressants pour le scoring. Ouais. Mais bon, rien de suffisant pour aller bloquer le compteur. Donc, faudra que je me repenche un petit peu sur ce jeu pour voir un peu ce que je peux faire. Et qui sait, peut-être revenir en parler. D'accord, voilà. donc c'est intéressant. Il y a quand même des choses à faire. Encore. Ouais, parce que c'est finalement, personne n'a bloqué le compteur. A priori, personne n'a bloqué le compteur depuis 87. Ah oui, donc. A priori, je me suis renseigné, il n'y a que deux joueurs au Japon à l'époque où le jeu est sorti ont trouvé les patterns pour bloquer le compteur. Enfin, en mode un joueur, hein, parce qu'en mode deux joueurs, il y a encore un autre bug qui permet de bloquer le compteur. Mais bon, c'est encore mais bon, les records officiels ne sont pas homologués en mode deux joueurs. En mode deux. Donc, en mode un joueur, on peut bloquer le compteur, mais pour le moment, a priori, il n'y a personne, sur Internet, j'ai encore trouvé personne, même au Japon. Ouais. Qui joue au jeu et qui bloque le compteur. Donc ce serait intéressant de chercher et de trouver les patterns pour y parvenir. Donc ce sera une de tes missions futures. Ouais, tes objectifs futurs. J'en ai tellement que j'en aurais pas assez. J'aurais pas assez d'une vie pour tout faire. C'est ça qui est passionnant. Hein. Mmh.
Et encore, je ne me limite que à l'arcade. Maintenant, je fais quasiment plus que de l'arcade. Ouais, ouais. Sinon, si je me limite à tous les genres, si je me limite pas à un genre, ça... Très bien, donc on te reverra dans des jeux d'arcade. 95% on va dire. Je reviendrai peut-être aussi voilà, sur, je sais pas, sur un Gradius 5 ou sur des jeux orientés arcade, mais qui sont plus spécifiques consoles. Voilà. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup Ben. Merci à toi. Beaucoup. Bravo merci encore une fois pour ton speedrun sur Double Dragon qui ouvre des perspectives encore sur ce jeu. Bah, ouais. C'est cool. C'est cool. C'est passionnant. Ouais. Et puis, à bientôt. À bientôt, Julien. Salut. Au revoir.